Bafal Gaming TV, flash spécial. Je viens à peine de vous terminer la dernière vidéo que je viens de vous poster, que en même moment, une nouvelle actu vient de tomber. En fait, elle est d'abord apparue donc sur les réseaux japonais, mais très très vite après sur le réseau international. En fait, c'est tout simplement une nouvelle vidéo trailer qui en fait nous tease bientôt la sortie PS5. Je vous propose c'est qu'on la regarde directement. Elle est donc disponible sur le YouTube officiel. Vous voyez, c'est celle-ci, vidéo de présentation pour le SGF. Je sais que Yoverse va commencer prochainement une tournée de tous les salons de jeux vidéo. Donc le SGF doit sûrement en être un. Bon, nous, ça sera la Japan Expo hein, pour nous. Mais en tout cas, ce que je vous propose, bah, c'est qu'on découvre directement ensemble cette vidéo. I wish this universe had a few more things to do. Don't you get bored running across the map every day? Team Trailblaze, back from duty! Mission one accomplished! Where's our next stop? I can't wait! Another busy day ahead of us? To the clouds! From the boat! The tournament's starting. Great! Let me get warmed up. Strike first! Need a hand? My pleasure! Let's see some sparks fly! Never mind, I miscalculated. Can you let me have some fun this time? Time for a buzz. At the speed, too slow. Comme vous venez de le voir, ça arrive bientôt sur PlayStation 5. Q4 2023. Sous-entendu, bah, quatrième partie de l'année, quatrième trimestre de l'année. Donc ça va être pour les fêtes de fin d'année, je pense, peut-être au plus tôt septembre, mais moi je vise plutôt octobre-novembre pour la sortie du jeu, quoi. Il y aura eu un peu de retard, il y aura eu quelques bannières depuis, mais bon, ça va sûrement coïncider peut-être avec une 1.3, si je me trompe, ou 1.4 à ce moment-là. En tout cas, ça arrivera un petit peu plus tard pour les joueurs PlayStation. J'espère au moins que certains d'entre vous ont quand même pu découvrir le jeu sur la version téléphone, émulation PC, ou directement sur PC, là où c'est plus confortable. Mais au pire, oui, mettre un téléphone sur PC, ça peut marcher sans forcément avoir une trop grosse machine. Mais j'espère, voilà, en tout cas, vous pourrez en profiter quand même, parce que ça serait dommage d'attendre si longtemps. Mais en tout cas, le jeu arrive, donc rassurez-vous. Voilà, on a fait le tour de cette petite actu rapide. J'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à liker cette dernière, à vous abonner à la chaîne, mais surtout à partager cette actu, car elle est vraiment énorme. Et pour ma part, bah, je vous dis à bientôt. Au revoir.